Bataille au sommet en 1v1 normalement. En plus vu le nombre de gardes et tout qu'il y a, ouais, genre c'est vraiment fait pour que tu dises ah non je vais peut-être pas l'attaquer. C'est pour les bourrins hein, c'est pour c'est les ça, gars. C'est les gars comme nous un peu là mais. En mode on est. Eh, toi t'es mort, même pas. Ah nous on est. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'était quoi? Mais j'avais dit. Il peut entendre le crochage. Non, c'est parti. Non. Get down, I wanna see him. Ah bon? Ouais. Allez là, oh là. Il y en a encore un autre. Suspect down. Ah oui, j'avais vu un cut où le mec Ah, pourquoi je suis envoyé par là? Non. Bronche pas le mec. Bon, j'ai tué un civil mais avec une seule balle en fait. J'ai tiré sur la tête d'un mec, mais c'est le civil qui a pris aussi la balle alors qu'il était à côté. Et pas derrière lui, il était à côté. Ah mais tu... Non mais personne n'est malade ici. Ah si, toi t'es malade. Non, je ne suis pas malade. Ouais, tu es pas malade non plus. Je suis pas malade non plus. Ouais, non mais toi t'es pas keuf donc t'es pas malade. Toi t'es... Est-ce que t'es keuf? Non. T'es pas malade alors, ça va. Personne n'est malade. Il y a que lui qui est malade. Oui. Oui, il est malade. Wesh. Mais oui. Mais wesh. T'as dit tout ça, toi, comme ça. Mais je sais pas, gros. Bientôt, on va dire que c'est les viewers qui sont déconcentrés. Et oui, tout à fait. Il y a parfois des streamers, des viewers qui m'ont déconcentré. Absolument. Ils ont écrit des choses là dans le chat. J'étais en train de lire, donc forcément je regardais pas la route, donc c'est de leur faute, c'est de votre faute, à vous, les viewers. Et bonjour à toutes et à tous, j'avais oublié que j'avais pas remis ma cam là. Et ben j'espère que vous allez bien, que le week-end a bien débuté pour vous. Moi hier j'ai fait un gros stream et tout. Il a duré 10h30, mais je me suis vraiment bien éclaté tout le temps, c'était super cool quoi. C'était super cool. Ah, enfin! Bah putain. Parce que j'ai lancé le jeu depuis quelques minutes et j'attendais que j'ai enfin un client là. Ça voulait pas. Aujourd'hui là, on va beaucoup bosser, taxi, faut renflouer un petit peu les caisses. Donc je vais faire beaucoup de taxi là cet après-midi. J'ai déjà fait quelques courses là ce matin midi. Donc 5,72. Hop. Et on verra pour faire plutôt assez tard ce soir. Eh bien, le criminel peut-être. On va voir déjà si... Enfin, ouais, on... Je pense que je ferai de la plantation hors stream. Je sais que... Enfin, je veux éviter que ça soit su HRP où est-ce que nous on fait donc plantation.
Donc il n'y aura pas. Allez hop, on va passer sur la scène zone principale. Hein. J'ai pas grand chose à dire de toute façon. Normal. Et puis voilà, donc vraiment après-midi un peu farming, histoire de renflouer les caisses de l'entreprise, parce que ce matin ce qui s'est passé, mais ça a été corrigé par Arnoc quand je suis venu en local avec lui, enfin là, dans le salon citoyen du serveur. Là. Je lui ai dit, bon, il a réglé le problème en rajoutant un petit peu d'argent dans les caisses de l'entreprise, mais ouais, il y avait plus une thune dedans, et du coup je recevais même plus mon salaire tellement il n'y avait plus rien à cause des problèmes qu'on a eu de gestion de l'entreprise qui avait eu au début, quoi. What? Oula! Oula! D'accord. Il y a les extraterrestres. Là, je fais un clip. C'est juste un bug de textures qui se sont pas chargées, mais c'était bizarre. C'est vraiment très très bizarre. Donc ouais, on va bosser encore un petit peu parce que même si y a Zayn et Shokan, donc c'est Shawn et c'est comment son pseudo. Merde, je me souviens plus. Merde, c'était là. Bon, pas grave. Zayn, c'est Ghost. Ghost. Donc il y a Shawn et Ghost là qui sont chez les taxis. Bon, il y a Shawn qui a prévenu qu'il serait pas trop là, mais Ghost, je sais pas du tout. Ils ont fait tous les deux un petit peu de course, hein, donc c'est déjà très bien. Mais bon, vu que on a fait quand même pas mal de crimi ces derniers temps là le soir. C'est compliqué. Puis en plus, je sais pas si Ghost, lui, il jouait surtout la nuit ou pas. C'est un de ceux qui joue la nuit, mais si c'est le cas, ouais, faut qu'il essaye de faire un peu plus de courses, si possible. Hop, ça, 8:30, 7:30. Donc là, le gameplay que je vais vous montrer là, cet après-midi, il va pas être terrible. Non mais, les gens, lisez les news, lisez le journal. C'est marqué dans le journal. N'utilisez plus l'application. Il est où ? En plus, il est à la station de taxi. Je vais appeler Francky, je vais demander si du coup. Oui,
Ouais, Francky, oui. Je voulais savoir si, du coup, on s'occupe quand même des gens qui utilisent l'application taxi ou maintenant on les ignore. Parce que bon, bah, ça a été publié dans le journal que. Ok, ok. Bon bah très bien. Bah du coup je continue ma course au client. Enfin je vais rester dans le coin pour l'instant, je vais annuler la course. Voilà, et puis moi de toute façon j'ai même plus l'application d'installer. D'accord. Bah je calcule même pas si quelqu'un Ah oui tu vois plus toi. À un moment donné, ils ont qu'à s'informer. Ouais ouais ok. Ouais je vais faire la même, tiens, je vais désinstaller l'application. Voilà. T'as raison. Bonne idée ça. Bon bah ok, très bien. Et bah. Je te dis de toute façon, même si tu désinstalles l'application, tu verras qu'il y a un client qui demande quand même. Ah, et, d'accord. Tu calcules pas, de toute façon, moi j'ai pas l'application. Ouais, donc tu peux pas accepter, oui, ok. Ceux qui l'ont gardé, au pire, juste s'annuler sa demande. Ouais, 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 je vais faire ça, je vais faire ça. Comme ça, il comprendra que bah il y a un truc forcément. Ok. Ok, et bah je fais ça. Et bah ça marche. Eh ben merci Francky, allez merci toi aussi, bonne journée. Hop. Taxi, tac, annulé. On va rester dans le coin quand même. Non. Je vais pas annuler ma course pour l'instant, on sait jamais. On va déjà boire un coup, manger aussi un coup. Hop, tac. Voilà. Va acheter le journal, connard. Il va refaire, hein. Je suis sûr il va refaire, il va se dire... Ou alors il va enfin écrire... No stress. Non. Bon. Et eh ben je vais continuer. Je vais continuer ma course. Je vais juste passer devant. Pour voir s'il est toujours. Toujours là.
il est plus là, donc il a dû trouver quelqu'un. Ou il a trouvé une autre solution. Ou alors le joueur s'est découvert et puis parce qu'il en avait marre. Ouais, j'ai pas vu qu'il avait de putain masque, enfin de maquillage sur la gueule lui. MDR. J'ai bien fait de ne pas annuler ma course PNJ moi. Et du coup, je vais rajouter quelques kilomètres parce que j'ai fait. Oh là. Rajouter 2 km au compteur hein, parce que j'ai dû faire demi-tour et tout, ouais facilement 2 km je pense. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi je dis que je suis pauvre, bon, là ça va, j'ai eu quelques salaires qui sont tombés, mais voilà, j'ai plus que 1800 dollars en banque, j'ai plus rien. Alors qu'il y a encore quelques jours, j'avais quasiment... J'avais 24 ou 34 000 dollars quoi. Ah non, j'aurais pas dû prendre parce qu'il va me faire passer, ouais. Putain. Et je sais plus conduire, à l'aide. On va pas suivre totalement GPS, on va aller un peu plus loin. Bon, et puis pour ceux qui étaient sur le live déjà hier, vu qu'on a parlé déjà un peu de... Eh bien de faire... d'aller au labo, un truc comme ça, et qu'on nous a donné la localisation approximative du labo. Et bah comment dire que ça aussi je le montrerai pas en live. Ah ça passe pas. Oh ça passe pas. Oh la vache. Ça glisse. Excusez-moi monsieur. Vous allez bien? Ah va falloir que j'aille réparer un taxi après.
va rouler plus tranquillement. Eh ben j'ai bien dormi pour une fois cette nuit, en tout cas pour moi. Parce que ça faisait quelques jours que mes nuits c'était genre peut-être 10 minutes, 30 minutes de où je dormais et puis je me réveillais et puis impossible de m'endormir. Petit saut, ça y est, ça fait sauter le. Elle a quand même pris cher hein, là. Avec ce choc. Hop. On passe plus par application, on a dit. Lisez le journal, bordel de merde. Alors, est-ce que je vais avoir autre client dans le coin? Ouah, sérieux là? Et où? Ah oui, je le vois, ça y est. Sept kilomètres quinze. Ah. Quelques kilomètres à la course d'avant. Si c'était ça, tac, taxi grand. Qui est en service? Je prends le qui. Je m'absente un peu, je reviens dans une grande. Ok. Je suis même pas à 20 km heure. J'ai vu je sais pas si c'est Carline ou notre non c'est pas Carline merde comment qu'elle s'appelle Bref, j'ai vu la Koryukai là qui. Qui était en train de vendre là sur la. Sur le ponton.
Oh purée, j'ai failli me reprendre encore un... Ce bord de merde. Bon, va falloir, vraiment falloir que j'aille au garage là, parce que là je sens vraiment que... Que mon taxi galère. Hein. Putain de merde. Ça va, j'ai encore des réflexes à mon âge. J'ai du mal à atteindre les... Ouais, il va falloir vraiment que je... Là j'ai encore 4 km. Ah c'est... C'est devant le superstore machin bidule chouette là, je le sens. J'ai pas vu mais... À mon avis, c'est là-bas. Bon, on va faire un petit peu de... d'hyper vitesse. Ah, raffinerie qui passe. Ouais, c'est clairement l'espèce de superstore magasin de... Et qu'elle vend de la freeway. D'accord, apprenez à tourner les PMJ. Citoyens, les concitoyens. Le U-Tool, voilà. Cherchez le nom. Pardon. Non. Je veux pas vous reprendre. Merci. On va aller au garage, vu qu'on est juste à côté. C'est parti. Je vais allumer aussi la lumière de ma pièce. Là j'ai juste ma keylight qui m'éclaire, je n'ai pas mon retour mais je pense que il doit faire un petit peu sombre, enfin mon visage doit être un peu trop éclairé. Oh c'est nickel. Oh bon bah ok. Je vais quand même allumer la lumière, ça...
ça sera plus cool pour moi, pour mes yeux là, parce que c'est un peu sombre en fait. Je suis au-dessus, banque la neige. Hop. Hop là. Regardons le retour. Ouais, quand même un peu mieux. Tiens, qui c'est que je vais mettre sur ma télé derrière là? Voyons voir un peu. Qui c'est qui stream actuellement sur le Charcos ou chez moi de mon côté? Ah bah il y a Miss Vikane, moi je vais la mettre. Je vais mettre Miss Vikane. C'est comme ça, c'est plus. Miss Vikane, ouais, tout ça, tout attaché, ok, comme ça. C'est tout bon. Y a un mécano là ou y a pas de mécano? Excusez-moi, est-ce que vous savez si Mécano est présent? Oui, là, je suis là, bonjour. Ah, pardon, je te... ouais, bah... Bon, je vais vous laisser travailler. Moi, je vais revenir avec la bécane, de toute façon, après. Je l'ai pas vu, enfin, je savais pas si c'était Mécano ou pas. Bonjour, excusez-moi, j'ai parlé avec la dame. Pas de soucis. Vu que vous aviez pas habit mécanicien, du coup, j'ai cru que vous étiez juste avec avec la personne. Peut-être, mais bon, il a peut-être pas forcément les habits pour faire des de la mécanique là. Hein. Je suis désolé, mais bon. Une cigarette en attendant. Mécano VIP, ouais. Sauf que là, c'est le mécano qui est VIP et pas le client. J'ai donné ma deuxième clope à un gars de mon groupe là hier quand j'étais au mécano ici. Parce que là tu peux lui donner, hein, j'appuie sur touche insert de mon clavier, je pourrais lui donner tout ça. Et vu qu'il n'avait jamais fumé de cigarette parce qu'il n'achète pas de paquet de cigarettes en jeu, il voyait gauche souris fumer. Et il a dû se dire, je vais m'éloigner pour tirer la première taf parce que là j'ai un peu peur. Ouais.
Je t'avoue que moi, la première fois aussi, hein, j'ai eu un doute sur si j'allais pas donner un coup de poing à quelqu'un ou pas. Et en fait, non. Non, non, non. Eh ben, merci pour ton lurk. Ben, bonne course à toi. Et voilà, elle est nickel. Eh ben, super, merci. Merci aussi, beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi, bon courage. Monsieur ? Oui. Regardez derrière vous. Ah, il est en panne. Ah non, il pousse. Ah d'accord, je me disais, on dirait que le véhicule avançait tout seul. J'ai cru qu'il n'y avait pas le frein à main qui venait de concession en face, là-bas. D'accord. Bon bah allez. Bonne journée. Bonne journée. Pourquoi j'ai ce point GPS là? Tac. Ah bah ça va mieux hein. Tant qu'elle a reprise là maintenant. Ah, je galère plus à atteindre les 90 km là. Je peux trimballer avec ça, moi. Ah oui, c'est Doc Benny avec son perso Xero Bye Bye qui me l'a laissé en pourboire dans la boîte à gants tout à l'heure, hein, quand j'ai fait ça, je me suis occupé de faire sa course. Il avait commandé. Bon, bah j'ai l'impression qu'il n'y a pas de PNJ dans ce coin. Bon, bah on va passer par là. Hein. Et j'ai l'impression de encore plus glisser avec les pneus machin qu'avec les pneus de base qu'on avait. C'est un truc de fou. Là. Pour moi, je glissais moins. Hein. Je me glissais moins avant. 1,20 km. J'ai mon Nightbot qui s'excite là. Spam mon chat. What? Ok.
Oh là. Non. C'est... Non, c'était pas par là. Oh, j'ai eu un vieux freeze du jeu là. J'ai cru que qu'il allait crash. Bah ouais, enfin là ça va mieux hein, mais je te montre vite fait mon compte en banque. Ouais, j'ai plus rien. J'avais 89 dollars hier soir. J'avais plus que 89 dollars. Donc j'étais vraiment. Ouais, non, mais toi, t'es dans un groupe. T'es dans un groupe, donc du coup, forcément, tu. T'as pas vraiment besoin d'argent, quoi. On te nourrit, on te loge et tout. T'en fous, quoi. Ah, tu payes quand même ta nourriture. Bah, tu... du coup... Quel débile ce PNJ. Tu payes quand même ta nourriture. Mais tu fais comment pour... on fait des commandes à 4K pour toute la famille. Ouais, mais c'est parce que vous aviez... de l'argent dans votre caisse, quoi. Ah, dans votre ouais, vous avez un coffre avec oui, voilà, vous avez de la... Donc tu payes ta nourriture, mais c'est pas avec ton propre argent. Moi, je suis peut-être dans un groupe, mais pour l'instant tout ce que je paye, c'est avec mon propre argent. Donc non, tu peux pas dire que j'ai 2090 fois plus que toi. J'ai peut-être 200 fois moins que toi, théoriquement. Et encore 200, je pense que je suis gentil. Peut-être 2000. Arrête. on va boire. En train de me distraire pour que j'oublie de boire, je le sais. On n'a pas 400 ni 4000. Ouais. Je sais plus combien vous aviez, mais vous aviez quand même beaucoup d'argent, en tout cas au début. Peut-être que maintenant vous avez un... Ouais, vous avez dû vous faire quand même pas mal de pognon avec... vu que vous preniez 90% des pépettes qu'on vous ramenait. Hein. Enfin, que tous les groupes vous ramenaient, donc... transformer tout ça... j'ai vu, hein. Au start, 300K, sauf qu'il fallait tout acheter. Oui. Et voilà, 300K, t'es tranquille, quoi. Enfin, juste, même si t'avais, même si vous aviez plus que 100 000, vous étiez tranquille, je pense. Comme
comme les shérifs ou les PEMS, ils ont... Je suppose que c'est leur... ça sort pas de la poche des médecins ou des shérifs eux-mêmes, hein, l'argent. C'est 1,5, hein. On peut avoir 20 mètres près. Je vais peut-être m'arrêter à la même station avant de continuer. Bon, après, j'avoue, j'ai quand même acheté 2 voitures, j'ai 3 couteaux dont un qui va coûter 1000$, alors que c'est le même couteau que ce que tu achètes à l'armurerie qui coûte 700$. Donc je me suis fait arnaquer, donc j'ai 3 couteaux, rien que pour moi. Et j'en avais racheté un parce que bah du coup l'autre, enfin il y a quelques temps j'avais eu un rendez-vous avec les Orange avant que je sois chez les Bloodline avec donc j'avais rendez-vous avec les Aldas Almas et ils m'avaient confisqué mon couteau à ce moment-là, hein, pour être tranquille. Et finalement, ben, ils ne l'avaient pas rendu avant quand je suis parti du rendez-vous. Et ben, quand j'ai remarqué ça, j'ai fait bon, bah, je vais m'en racheter un. Hein, parce que... Voilà quoi. Donc j'ai ça et puis j'ai acheté aussi bah, le mousquet et quelques balles. Bah c'est hier. Tu vois, à force de parler de tout ça là, de tous mes problèmes d'argent, ça me donne un de ces mal de crâne là, j'en peux plus. J'en peux plus. Ouais, on va s'arrêter. Hop. Pareil hein, pour les médocs et tout ça. Vous avez votre caisse, mais... Je pense que vous gagnez. En tout cas, vous avez bien gagné votre vie là sur tous les groupes. Parce que là, on peut soit vous donner... le même taf à tous les groupes là. Donc je sais plus, allez, on va dire qu'il y a 5 groupes, ça vous faisait du facile du 100 000 allez du 80 à 100 000 pépettes par jour. 80 et 100 000 pépettes par jour, je crois savoir, HRP parlant bien sûr, toutes ces informations là je les connais mais de façon à HRP uniquement, c'est quand même bien rentabilisé quoi, vous faisiez du 30 ou 40k par jour, hein. Facile. Ça tourne pas, bordel.
Avec les anciens pneus, ça aurait tourné. C'est sûr. Je crois que c'était un joueur. C'est pour ça que j'ai klaxonné. News, construction d'équipe pour les PEMS. Ah. Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Excusez-moi, je vous ai déposé un petit peu loin. Ah, Notif Jobs. Oh bah ça, il est pas loin. J'arrive mon petit Oscar, j'arrive. Je cours, je vole. Ça c'est pour m'emmener peut-être jusqu'au... Et vu que je sais que je suis tout seul en... Ah non, il y a peut-être Howard. Je l'ai croisé au resto tout à l'heure, donc peut-être que je vais dire... Je prends la course client, je suis juste à côté. Hop, tac. Eh, double voiture Oscar, comment ça va? Moi ça va et toi Victor? Ouais, ça va, tranquille. Bah du coup tu fais un peu de mine pour venir à tes besoins maintenant? Ah ouais hein. D'accord. Bah j'ai pas un mot de tête du coup, mon truc il est parti à la fourrière. Ah d'accord. Alors, hop, je note... 56. Hop là, ça fera 297 $. Oh, trop bien. Et je pense que t'es parti au bon moment en fait hein, de taxi. Parce que. Ça va être la merde. J'ai même pas pu recevoir salaire deux fois ce matin. Parce qu'il n'y avait plus d'argent dans la caisse. Ah ouais? Oui. Bon, on m'a dit que c'était compliqué, ouais, qu'il y avait beaucoup de problèmes d'argent. Oui, oui. Il y a plein de trucs qui vont changer, comme l'essence qui sera annulée. Enfin, il m'a dit que ce serait beaucoup plus dur d'atteindre la prime au maximum. Oui, oui, j'ai déjà vu aussi un peu vite avec lui. Mais oui, c'était... Bah moi je l'avais déjà dit à Joe, déjà, lors de première et seule réunion qu'on avait faite. Bah c'était premier lundi de paye. Je sais pas si tu te souviens. Voilà, moi j'avais dit déjà que je voulais plus qu'il me... qui me paye frais d'essence aussi. Quelques jours après, je lui ai dit aussi que moi,
Les remboursements aux frais essence, ils pouvaient garder. Ouais. Vu que maintenant on a pour voir. On gagnait beaucoup quand même. Ouais, ouais, on gagnait beaucoup trop. Je lui avais déjà dit que. Voilà. Bon, fallait quand même faire beaucoup kilomètres hein, pour avoir ouais, prix maximal. 1000 kilomètres, ouais. Ouais, 1000 kilomètres, faut presque faire ça tous les jours, toute la journée, quoi. C'était compliqué. Ouais, c'est bon. Et moi, depuis quelques jours, là, j'ai, on peut dire, plus ou moins double emploi aussi, entre guillemets. Ah ouais? Ouais, ouais. J'ai trouvé un ami avec qui on fait pas mal de choses. Du coup, bah, c'est pas vraiment comme un emploi, mais ça me prend des fois autant de temps qu'un emploi. Ouais, exactement. Ah, tu vois qu'il y avait eu un communiqué pour celle-là de route. Ah bon? Oh non, c'est peut-être dans le texte de loi que j'ai lu ça. Comme quoi cette route-là, c'est pas considéré comme la freeway, c'est la ville, du coup c'est 90. Ouais, bah moi j'ai eu... Ah, c'est peut-être suite à discussion que j'ai eu avec Sheriff justement, parce que je roulais à ouais, 130 aussi l'autre jour, hier peut-être bien, et je savais pas si c'était freeway ou pas, donc... Ouais, ouais, je crois que c'est dans le texte de loi que j'ai vu. Donc du coup, ouais, non, j'ai pas pris amende. Fort heureusement, mais oui. Du coup, maintenant, je roule beaucoup plus lentement maintenant, ici. Alors, je te fais petite facture. Donc on a dit 297. Et on va mettre des mines jusqu'à... Paul et tout. Je devrais mettre kilométrage, mais bon, tant pis. Voilà. Ah, c'est bon, c'est payé. Je sais pas si tu es allé voir dans le je veux dire le coffre là où les gens peuvent mettre des choses dans l'association. D'accord. J'y étais tout à l'heure, mais après vous, je vais aller voir là. Oui, oui, j'y étais passé aussi un petit peu, je sais plus, vers midi. Je sais pas si tu es repassé depuis. Ah, si, ouais, je suis repassé. Ouais. Il y avait d'accord. Pas mal de trucs. Oui, ouais, ouais, il y avait beaucoup de choses dedans. Oui. Bonne école, bon, merci beaucoup. Bah de rien, Oscar. Allez, bonne journée à toi. Bonne journée, bon courage. Et en vrai, j'ai même plus envie de. J'ai déjà plus envie de faire de taxi là, pour cet après-midi. Là, j'en ai déjà ma claque de faire. C'est ma combienième de course de la journée là. Je pense que je tiendrai quand même un petit peu les comptes de mon côté sur. Je sais pas si je réutiliserai le même tableau ou quoi que ce soit, mais ouais, je. J'essaierai de tenir un petit peu les comptes. Parce que vu que je suis quand même assez souvent présent l'après-midi et que bon ben faut qu'on fasse plus ou moins du 50-50 en termes de temps de travail pour taxi et de temps de crimi, enfin pour autre chose quoi. Faut quand même que je fasse pas mal de choses.
Ah, hélico de des PEMS qui... C'était quoi? Construction d'équipe pour les PEMS. Vous informe que ce soir, l'équipe est indisponible de 21h à 23h. Un service de garde avec l'unité secondaire est mis en place. Restez prudent. Ok. Kilomètre 55. Wow. Il va jusqu'à l'aéroport à ce compte là. Ah non, même pas. En plein milieu, au plein centre-ville. Ouais, on va passer par là. Tac. Je pense que j'irai. Je fais donc bah, cette mission là, plus bah, si j'en ai dans le sud, j'en fais un petit peu. Mais dès que j'ai une mission qui me refait remonter du côté de Sandy Shore, ça sera ma dernière de la journée. Et après, je vais faire un peu de chasse. Je vais enfin. Enfin, je vais. Je vais passer ma licence de chasse parce que pour l'instant, je l'ai pas réussi. Parce que bah, hier quand j'ai voulu la faire, je suis arrivé et que il y avait un lapin normalement mais que j'ai jamais vu. Rien du tout. C'est brouillard. Hein. OMG. Et tourne. Je ne suis pas le GPS. Je savais qu'il allait tourner à gauche, lui. Peut-être que j'ai dépassé par la droite.
Connard là. T'as de la chance que j'ai plus envie de... d'aller faire réparer mon taxi. C'est par là. On va faire le grand tour. Voilà, comme ça, on arrive dans le bon sens. Et là, oh putain, là, il m'envoie chercher. Oh tiens, une voiture volante, une voiture qui va tomber. Est-ce qu'elle va tomber? Oui. Oh putain. Elle a écrasé quelqu'un là. Mais oh, laissez-moi le temps d'arriver jusqu'à mes clients là. Quoi ça? Six, 16. Face dans le parking pour pouvoir prendre la sortie qui vous est arrivée de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Je vais prendre la route de freeway là-bas. Voilà, c'est...
Oh la pauvre vache! Assassin! Je prends le petit chemin qui est ici. Ouais, sauf que là, je serais. Et paf la vache, ouais. Je vais ramener les morceaux au resto pour qu'ils nous fassent des saucisses de bœuf du coup. Pour leur rougaille. Bonjour la prison. Pour l'instant je vais à la prison mais je vais pas dedans. Hein. ça sera plus tard. Peut-être. Allez, hop, on va se rentrer au dépôt. Tac, on va enlever ça. J'ai pas faim, j'ai pas soif. Ok, c'est parti. Je me rentre au dépôt et puis là je vais aller passer ma petite licence de chasse. En espérant que ça bug pas cette fois-ci. Parce que hier ça a bugué, je suis arrivé sur le lieu où devait normalement y avoir l'animal en question. Et en fait il y était pas, même quand je me suis éloigné. On va faire quoi avec la chasse? Mais j'en sais rien. Je n'en sais rien pour l'instant. Je suppose que tu peux. Bah non, j'ai pas encore ma licence, donc du coup je sais pas. Et puis bon bah. Soit tu regardes mon stream. Soit bah. Tu vois ça en RP. Hein. Du coup c'est juste à côté de chez vous en général les zones de chasse, donc vous pourriez le faire, franchement. Non, j'ai pas vu que éviter de stresser pour rien là. C'est un peu stressant de rouler à 140 km/h, hein. C'est vrai. Pas le freeway. Ah, petite chose que je peux t'apprendre à chercher parlant, mais je sais pas si tu sais, mais si vous faites un petit peu les poubelles et que vous trouvez une petite culotte, une petite coquine, oula j'ai du mal, et ben tu peux utiliser la petite culotte, c'est très déstressant. Tu l'utilises et ça agit comme un déstressant. Merde. Voilà. Mais ça consomme de l'eau. Ah, je savais pas. J'ai appris ça vraiment HRP sur Discord de tout à l'heure. C'est pour ça. Merde, je devais passer faire le plein. Bon, ben on va faire le plein d'abord. Ouais, non mais franchement, je crois que c'est Francky là qui disait « Ouais, non, les pourboires, ça paye pas assez l'essence et tout ça. » Ah si, clairement.
après l'essence ils sont largement remboursés hein, avec les 25$ de pourboire. Hein. Pas largement, non. Non. Là c'est juste que j'ai eu une ou deux missions de courte distance qui ont fait que j'ai pas consommé beaucoup d'essence et j'ai quand même gagné 25$ de pourboire. Du coup, bah, quand tu fais une mission ou deux comme ça assez courte, effectivement, les pourboires suffisent quoi. Si t'enchaînes que des longues courses, là par contre effectivement, tu perds un petit peu d'argent, mais c'est rattrapé par le salaire que tu touches toutes les demi-heures. Donc, non, franchement, on perd vraiment pas d'argent là en frais d'essence grâce au pourboire. Hein. Hop là. Tac. C'est ça que je voulais faire, c'était hop. Et c'est ma primo custom, ma primo normale que j'ai prise tout à l'heure. Je crois que c'est la custom. Faut que je passe un petit coup au PEMS. Petit poulet, tiens. Quoi? T'es pas tué? C'est le poulet, il s'appelle Luna. La police astérisque vite un brigandin qui s'enfuit. Un brigandin qui s'enfuit. La gueule du brigandin. Je suis content, j'ai fait quelques petites CP déjà. Je suis assez content. Il y a Sean et Blind qui ont dit que je pilotais plutôt bien, donc ça va. Ah! Monsieur, ça va? Je vais essayer de voir si je peux pas vous déplacer un petit peu sans trop toucher votre tête là, parce que je sais pas, vous avez l'air d'avoir eu accident. Non, je crois qu'on peut pas. On peut pas porter. On peut pas porter. Je sais qu'il y en a qui ont réussi, mais c'est peut-être que quand. C'est peut-être une emote qui te demande si tu veux être porté ou un truc comme ça, je suppose. Et du coup, vu que là il est inconscient. Bon, je me mets ici pour éviter que les voitures ne vous roulent dessus, voilà. Je protège un petit peu les lieux. Bon, je suppose que votre balle il s'est déjà déclenché, donc je vais rester avec vous, je vais vous tenir un petit peu chaud. Voilà, je vous masse un petit peu mes muscles tranquillement, hein. Je vous touche pas l'entrejambe ou quoi que ce soit, Je fais juste que vous tenir au chaud.
Allez, vous inquiétez pas, je suis sûr que les médecins sont en route. Ah bah oui, je les entends, ils arrivent. Ah, il y a plus beaucoup de temps à attendre, là, voilà. Bonjour, docteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas, je suis arrivé, il était déjà allongé ici, au milieu de la route. Je sais pas, lui peut-être avoir eu accident avec son quad. D'accord, je vois. Allez, monsieur, ça va aller, vous respirez. Restez avec moi. Allez, d'accord. Il n'y a pas de ceinture sur ces machines-là, du coup, oui. Le moindre choc, et paf. Oui, ça part direct. Voilà, j'ai mis mon véhicule devant, là, par là, pour faire barrage, pour éviter que les gens ne lui roulent dessus. C'est une bonne initiative, oui. Allez, monsieur, restez avec moi, s'il vous plaît. Oh. Bonjour, monsieur. Alors, bonjour. Entendez, ah, mais c'est Franck. Ah oui. Ah, je t'avais pas reconnu. Ah bah écoutez, je vais voir, hein. ça sera pas, oui. Ça sera pas mal, ouais. La gorge sèche, ouais, bah ouais. Ah ouais. Oui, ça va, voilà, super. Ah, ça fait du bien. Voilà. Pas d'immunité, pas d'étoile devant les yeux. Non, ça va. Juste, j'avais une bouche un peu pâteuse, mais puis, d'accord. J'ai pas eu le temps de réagir, et puis, voilà, boum. Bon, du coup, voilà, je vous laisse, j'ai des choses à faire. Ouais. Ah, je vous en prie. Merci à toi. Allez, bonne journée. Vraiment mettre son véhicule là-dedans et le ressortir? Ah ouais. Vu que c'est pas les mêmes couleurs que les garages classiques. Allez, on va se fumer une petite clope là, vite fait. Ok, il a eu une déshydratation alors qu'il était en train de conduire son quad de con. Ah là, il est peut-être en live, je regarde. Est-ce qu'il est en stream? Je crois, hein. Il me semble qu'il avait dit qu'il y était. Ouais, il y est. Pauvre Rooney. Le pauvre Rooney qui... Du coup... Il s'est pas senti partir. Je vais bientôt... Ouais, d'ailleurs, hop, on va préparer. Il me reste... Ok, suffisamment pour tenir 2 heures. On va faire ça. Je sais pas s'il venait ou... S'il revenait de sa session de chasse ou s'il partait, mais... En tout cas, ouais, il a de la chance que... Je passais par ici. Il a dû se faire écraser une ou deux fois, hein, quand même, entre-temps. Hein. Je sais pas depuis combien de temps il était au sol. Allez. On va arrêter de fumer. Voilà. Tac. Dobre voiture. Alors, on va monter dans la voiture et suivre les instructions. Ok. J'ai pas. Je l'ai mise dans ma voiture, je crois. Ouais, c'est bon.
Merde. Ah non, 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 merde. J'ai oublié le... J'ai oublié le mousquet à l'arrière. Allô, allô, bonjour. Merde, le soleil se couche. Oh non, c'est le pire moment pour moi. D'ailleurs, j'ai plus mon chat. Voilà, hop là. J'ai fait la même car je cherchais un spot de champ. Je regarde ce que ça donne pour voir comment ça se passe. Ok, mousquet à l'armurerie, je suppose. Non. Non, non, c'est directement au mec là, t'as une rubrique magasin et c'est là que tu achètes du coup mousquet. Achète pas un couteau si t'en as déjà un, parce que c'est le même et en plus tu le payes plus cher. Donc voilà. Le couteau de chasse, et donc faut acheter les balles et c'est 10$ la balle, je crois. Ou 5$ la... Non, ça doit être 5$ la balle, je crois. Je sais plus. Et ouais, t'as au moins le mousquet à acheter, il coûte 3000$, si tu veux savoir. Du coup, faut acheter vraiment tout le matériel avant de lancer la mission de licence, quoi. Et il faut que t'aies l'argent sur toi, bien sûr. Ça prend pas... Ça prend pas de sur la carte bleue. Ouais, c'est juste à côté de chez vous. Hein. Putain, je l'ai pas vu arriver là. Je vais là-bas, moi. Et d'ailleurs, on va regarder. C'est quoi? C'est un rabbit. Rabbit, rabbit. Le rabbit qui est plus ou moins en face de moi, là. Je ne le vois pas. Et avec la nuit qui tombe. Merde. Bon, bah. Un lapin en face là. Ok. Là mon fusil, il est chargé normalement. On voit pas, il n'y a pas d'indication.
petit tapin, il était sur la crête de la montagne. Qui me tire dessus là. Ah non, ça a changé. Ok. C'est toujours un lapin, mais il est plus loin. Est-ce qu'il est toujours plus ou moins en face de moi? Oui. Ah oui, il se déplace. Ah oui, il se déplace. Oh merde. Ah bah hier, il se déplaçait pas, moi, le mien. Ah, bon bah du coup... Ah, sanglier. Petit sanglier. On va ranger ça avant de faire une connerie. Hop. Sanglier, ça va être plus vite. Enfin, plus vite, plus facile, je veux dire. Et moi, hier, ouais, j'avais un lapin, il était indiqué à un endroit et il a jamais bougé de ma carte, de mon GPS, là. Et je le voyais pas. Putain, il se déplace et tout. Ah, vas-y, Ah, c'est lui là-haut, je l'ai vu. Merde. Oh, c'est mort. Hein. Jamais je le rattrape. Jamais je le rattrape. Ouais, je l'ai vu aussi. Il était en haut. On l'a aperçu vite fait. Cavale, Kenny, cavale. Kenny. Je suis pas Kenny. Ah oui, à cause de... Oui, ok. du coup, c'est toujours... Toujours le sanglier, ouais. Rien déjà. Et encore là, là, il est vers ma droite. On va sortir le mousquet. Hop. À ma gauche maintenant. Quoi? Oh non. 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 Oh non! Oh c'est mort! Je peux pas! Je peux pas! Je peux pas aller le chercher, bordel! Oh mais non! Oh fais chier! Oh.
Ouais, bah... On va essayer de passer par ici, ça a l'air de... Je vais peut-être pouvoir remonter. Ah non! Adieu! Ah bah. Je vais prendre la secondaire là. Je vais pas les, leur demander de venir, ils pourront jamais venir. Oh merde. Bon, allez, on a 10 minutes. 10 minutes à patienter, mais là je prends la secondaire. Là y a personne qui peut venir. C'est pas possible. Même en hélico, ça va être compliqué. Ça va être trop compliqué. Et je l'ai vu en plus, la carcasse de mon sanglier, bordel. Oh putain. Ah non mais là je suis vraiment dans un... Ah j'ai fait une sacrée chute. J'ai refait une chute de 10 mètres au moins, comme l'autre jour, bordel. Ah là 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 là, bon. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Allez, pense-toi. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? J'ai encore 8 minutes à perdre. Ouais, c'est ça, 8 minutes. Mouais. Tac. On va regarder vite fait. Il y a un clip. Bon, bah au moins t'as peut-être pu voir un petit peu comment se passe la chasse. Mais tu verras bah, tout à l'heure peut-être un peu plus. Si j'y arrive. Je pense que je vais devoir faire une déco-reco pour reset totalement la chasse là, parce que là... À mon avis, je vais encore avoir besoin de dépecer l'animal, mais je peux pas y aller. Hein. Je peux pas y aller. Ah, c'est trop. C'est trop. Alors, bon. Alors, c'est quoi les questions dans Demand Dead, là, cette fois-ci? Est-ce qu'on a des trucs un peu... Traumatisme crânien, égale arrêt de travail, là. Ouais. Ah, c'est pas le moment, hein, je sais, hein. Ah, j'ai fait une sacrée chute.
Ah, tu peux revoir le clip, hein, je l'ai mis directement dans le chat. Si t'as pas eu le temps de... Si t'es pas là à ce moment-là. Mais ouais... Tout ça pour aller essayer de chercher une carcasse de sanglier qui avait glissé. J'aurais jamais dû y aller, j'aurais dû faire bon bah tant pis. Je pensais que ça passait. Alors, savez-vous comment se nomme la touche dans les paramètres de touche FireM pour activer la souris pour interagir avec le menu de la map quand on est en véhicule, s'il vous plaît? J'ai déjà pu la changer car c'est le souci, la touche de base c'est Caps Lock, oui. Effectivement c'est ça, ah oui effectivement c'est ça, et eh bien je me suis trompé alors, merci. Nickel, à 5 sur un caillon pour éviter de se faire manger. Putain, y'a là, y'a encore un puma qui... Ah merde. Ah mais c'est les meilleurs moments, les pumas au resto, je pense. En ce moment, je sais pas pourquoi, mais... ils ont l'air de beaucoup plus attaquer les joueurs qu'avant. Yo l'équipe, oubliez pas sur la compte... Ah oui, ok. Ouais, c'est vrai que j'ai pris amende hier. Les amendes. C'était hier. Hop. Comment ça, les règles de validation? Validation des données. Il faudra que je leur demande... Exactement. Oui, oui, mais non, c'est pas chronique. J'avais eu pour 400 $400, je crois. Payé, oui. Remboursé, non. Chromie. Ils ont mal écrit. Ah là 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 là. Donc oui, je sais pas si tu étais sur le live quand je l'ai dit, mais ouais, j'ai pas déclenché ma balise parce que là, vu l'endroit, même en hélico, je pense que c'était mort. Donc je prends la secondaire là, pour cette fois. Et puis voilà. Mais je vais faire ma scène là, à l'hôpital. Là. Hop. Ta-ta-ta-ta-ta. J'avais fini moi non, je savais pas fait quoi. D'ailleurs, ouais.
Ok, allez. Hop, on va retirer tout. Tac, 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 tac. Voilà. On va s'allonger et on va appeler les EMS. Celui-ci a fait une grosse chute de plusieurs mètres de haut et c'est je vais regarder mon clip juste pour savoir un petit peu où est-ce que j'ai mon corps qu'à taper. Ah c'est le... Ouais ok c'est... Il y a les jambes. Et il y a le... Le côté, ouais, toute la hanche vers le dos un peu. Et c'est fortement cogné les jambes et la partie droite. Arrière droite de son corps. Allez, hop. Hop là. Et on attend. Bon Victor, t'es pas tout seul. C'est ceux qui sont. J'espère qu'ils vont pas faire toutes les salles. Hein. J'espère qu'ils savent où est-ce que les gens de l'unité secondaire ramènent les patients. Les accidentés. Les rescapés, ouais. Ouais, là, c'est vraiment un rescapé. Et combien j'estimerais là la hauteur de chute, quand même pas mal. Hein. Déjà, j'ai déjà fait une terrible chute de ouais, une dizaine de mètres de haut. Oh, ah ouais, ouais, c'est pareil. Oh ouais, on est facile à 10 mètres de haut. Ouais, je me suis un peu... Ouais, je me suis un peu raclé la gueule, on va dire. Mais les dommages principaux, c'est... quand je commence à vraiment tomber dans le vide, je tombe contre un gros rocher.
Et là, c'est les jambes qui prennent, qui tapent. C'est les genoux, les trucs comme ça. Arrête, déjà, ils vont me mettre facilement 30 minutes ou 40 minutes, 45 minutes de fauteuil roulant, là, ça c'est sûr. Pendant une semaine, je vais devoir faire des visites de contrôle régulièrement. Hein. J'ai déjà eu le cas, ça devait être seulement... À la base, ça devait être que 3 ou 4 jours, je sais plus. J'avais fait une grosse chute encore. Je conduirai peut-être, mais je ferai pas. Ou en tout cas, je vais peut-être faire que. Je vais peut-être pas faire d'ATM ou truc comme ça. Je ferai peut-être juste de vendre d'avoir ou quoi que ce soit. J'ai mal. Partout, surtout aux jambes, j'ai extrêmement mal. J'ai heurté roche dans ma chute avec mes jambes et ma chute n'était pas finie. J'ai atterri sur côté droit de mon corps, vers derrière plus quand même. D'accord. Et là, à l'heure actuelle, là, en termes de santé, ça va plutôt bien. Oui. D'accord. On va passer des radios. Oui. Et on va voir ce qu'il en est. Vous pouvez bouger ou pas du tout, monsieur Kovalenko? C'est difficile. Si je suis avec monsieur Kovalenko, je pourrais pas y aller à l'inter. Je peux pas, j'ai extrêmement mal aux jambes, là. Je pense que j'ai au moins peut-être une jambe pétée ou quelque chose comme ça. D'accord. On va essayer de vous. Attendez, je vais essayer de vous porter. On va essayer de faire ça comme ça. Allez. Hop. Alors, je vais essayer de vous déposer doucement. Là. On va s'allonger sur la table tranquillement. Je peux toujours pas m'allonger. Comment ça, vous pouvez toujours pas vous allonger sur la table? Vous pouvez pas vous allonger sur la table. On va s'allonger comme avant, par terre. Oui, pas de soucis. On fait comme si j'étais sur la table. Hein. Voilà, c'est exact. Vous avez tout compris. De toute façon, c'est toujours désinfecté. On fait ça bien et ainsi de suite. Voilà. Ok, on va prendre quelques photos. Hop. Alors, vous m'avez dit côté droit, c'est ça? Ah oui, surtout derrière droit, on va dire de la fesse droite jusqu'à épaule droite. D'accord. Alors. Ok. Et votre tête, comment ça va, monsieur Kovalenko? J'ai un peu la gueule, je pense que je me suis un peu râpé la gueule en descendant, parce que j'ai glissé, j'ai fait une sorte de roulé-boulé pendant ma glissade, et au bout de ma glissade, y avait précipice, quoi, en gros. Ah oui. Il y avait facilement 7 à 10 mètres de haut, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous chercher quelque chose au moins pour la douleur. Oui, s'il vous plaît. Vous amener directement en chambre. Hop. Nickel. On recommence. Là, voilà. Alors là, normalement, ça devrait être bon. Hop, je vous mets sur le lit. Nickel. Je vais aller regarder les photos. En attendant, je reviens, je vais vous donner un petit antidouleur là, histoire que ça passe la douleur. Oui, merci. Pendant ce temps, j'avais mon clip qui arrêtait pas de tourner sur le côté. Putain, je revoyais ma scène en boucle. MDR. Allez. Je vous mets une petite perf, une petite douleur. Ça devrait vous faire du bien. Après, je vais aller regarder votre radio. Et puis, je pense que vous risquez d'avoir un gros ITT, monsieur Kovalenko, là.
Oui, bah, j'imagine. On va essayer. Hop là. Je reviens. Ah. Après le mécano VIP, le médecin du huître. Oh bordel. Ouais, ouais, bah oui, hein, une grosse ITT. Ça tombe mal hein, pour les taxis. Il y a besoin de thunes. Donc si je peux pas bosser, ça va être compliqué. Hein. Alors, comment ça va avec le petit sédatif, monsieur Kovalenko ? Ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux ? Oui, oui. Rassurez-moi, le secondaire vous a récupéré vos vêtements quand même. Vous êtes pas totalement à poil. Oui, 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 ils ont tout déposé là sur petite merde, table à gauche. J'allais vous y chercher. Oui, pas. Merci. Ils auraient pu mieux vous les emballer, mais bon. Je vous les mets dans le petit armoire, monsieur Kovalenko. Oui. Voilà, comme ça vous pourrez les avoir. C'est vrai que j'ai volé. Vous sentez vous lever un petit peu. Alors moi, de ce que j'ai vu, il n'y a rien de cassé, tout est fêlé. Ah, c'est quand même bonne nouvelle. Oui, vu le shot que j'ai fait, je pense que je m'en sors bien. Oui, je pense. Par contre, je voudrais quand même que vous restiez tranquille pendant une bonne trentaine de minutes. Oui, oui. Est-ce que vous arrivez à marcher sur vos jambes ou pas? Je vais essayer, on va voir. Allez, je vous laisse faire. Est-ce que ça tire ou est-ce que ça tire pas? Oh, ça tire beaucoup. Ça tire beaucoup. Oui, okay. Oui. On va vous mettre un fauteuil. Je vais vous laisser vous rhabiller et vous allez passer en fauteuil. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour manger et boire, monsieur Kovalenko? C'est très important, donc je vous mets dans un fauteuil. Oui, oui, j'ai de quoi manger pour 2 heures, facilement. Pour 2 heures? Oui, oui. Ça risque pas de périmer? Non, non, ça risque pas de périmer. J'ai pris ça il y a même pas... Oui, il y a même pas 2 heures. Ouais. Bon, impeccable. Je vais, hop, vous aider à vous rhabiller. Allez. On va passer d'abord les jambes. Oula, vous avez le torse, vous inquiétez pas. Nickel. Ok, vous allez venir avec moi. Hop, je vais vous porter. On va se mettre dans le couloir. Hop, allez. On va se mettre un petit peu plus loin et je vais vous mettre votre fauteuil roulant. On a une grosse demi-heure. Alors attention, c'est très contraignant le fauteuil roulant, c'est pour ça qu'on vous demande si... Oui, j'ai déjà eu fauteuil roulant. Hein. Mais là, deux fois, déjà. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. J'adore le fauteuil roulant. En vrai, j'adore. Je trouve ça trop fun. Voilà. Vous avez 30 minutes de fauteuil roulant, monsieur Kovalenko. Ok. La secondaire viendra la récupérer, c'est tout bon pour nous. Oui, d'accord. Ça devrait vous soulager les jambes, et puis après, derrière, faites attention à ce que vous faites dans la journée. Oui, oui. Évitez les sauts en parachute, les machins, les trucs, les chouettes, les sports extrêmes. Oh non, mais oui, non, ne vous inquiétez pas. Là, j'étais en train de passer l'essence de chasse, et en fait, j'ai touché son sanglier, et en fait, la carcasse a glissé. Je pensais pouvoir récupérer carcasse, et en fait, non, j'ai pas pu. J'ai glissé et je suis tombé, du coup. Eh oui, eh oui, eh oui. Bon, bah écoutez, bonne chance pour vous. Merci. Je vais aller au restaurant en espérant me pas faire me recroquer en chemin. Ouais, alors attention, parce qu'apparemment, il y a un puma au niveau du restaurant. Ouais, ouais, il y a souvent puma là-bas. Je vais faire attention. Je ferai une course avec lui au pire. On verra qui de nous deux est le plus rapide.
je vous déconseille. On se dit à bientôt, à très bientôt du coup. Hein. Bah oui, enfin, j'espère pas, mais oui. Bonjour. Faut qu'on parle après, Philippe. Et voilà. Même 24 km heure au resto, ils vont péter un câble de boire encore en 3 semaines. En 3 semaines, j'ai déjà fait 3 fauteuils roulants. Oula, doucement là. C'est le resto, ça, d'ailleurs. Donc quand même 2 fois en 2 jours. Hein. En moins de 24 heures. C'est une bonne moyenne, en effet. Je vais dépecer l'animal là, avec mon fauteuil. Hey. On va aller dépecer l'animal. Bon, donc du coup, vers... Hop là, je suis en train de regarder l'heure. Vers donc 18h07. Je perds mon fauteuil. Je vais appeler un taxi hein, pour qu'il me ramène parce que bah du coup... J'ai plus de véhicule là, Paletto, j'ai plus rien. Ouais, c'est là. Chercher l'entrée. Derrière vous. Ah, pardon. Donc, bonjour, voiture. Est-ce que je peux vous aider? Non, ça ira, merci. Enfin, si, je vais peut-être faire petite commande en attendant, parce que bon, bah... Voilà, j'ai petit accident, là. Ah oui, ça se voit, ouais. J'étais en train de chasser. J'étais en train de passer licence, même, de chasse. Ah oui, il faut faire attention à ça. Moi j'ai mon collègue qui s'est fait shooter hier pendant qu'il faisait la période de chasse. Comment ça, il s'est fait tirer dessus? Non, il s'est fait, rentrer dedans par un civil alors qu'il était sur son quad ou je sais pas quoi là. Ah ouais? J'ai dû aller le ramasser dans la neige. Ah d'accord. Ouais. Ah oui, non, moi j'ai tiré sur sanglier là, mais sa carcasse est descendue dans un endroit où je pensais pouvoir y aller la récupérer. Et en fait, elle a glissé beaucoup plus loin que prévu et bah du coup, moi j'ai glissé, j'ai fait grosse chute. Ah ouais? Ouais, j'ai... Attention à ça. J'ai les jambes comprises et tout, j'ai rien de cassé, c'est juste grosse fêlure, mais voilà, pour éviter... Restez bien dans le restaurant, alors. Oui. Bah, j'espère qu'il ne va pas y avoir Puma qui va venir s'inviter, hein, quand même. Normalement pas, mais... Pas parler, j'avais 2 à 3 patrons. On est à 8 ou 9 depuis ce matin, donc ça. Ah non, mais en 5 minutes, ça fait 2, donc... C'est parce que vous avez fait trop long pour éliminer le premier, il a eu le temps d'appeler ses potes. Ah mais je pense que c'est ça. Ah, c'était la femme et vous avez eu le mari qui est arrivé juste c'est après possible, quoi. Ça, c'est possible. Peut-être. Ah bah ça fait compliqué. Hein. Oui. Bon, je vais vous comprendre quand même. Il y avait moins de risque de se faire attaquer si on n'était pas stressé.
Ah bah si là, je suis déstressé totalement, là. À fond. Ah oui, là, j'ai aucun stress. Alors, c'est parfait. Bah, je vais prendre une commande, puisque mon collègue s'est barré. Oui, bon, après, je vais prendre une petite commande. Oui. Ça va être, genre, deux rougailles saucisses. Oui. Et... 5 Pepsi, s'il vous plaît. 5 Pepsi. Je vais vous préparer ça. Hop. Alors... Je vous fais la facture. Non, c'est pas... Attention, un puma ! Non, c'est pas vrai. Moi, il n'y a plus rien qui me stresse. Après, je sais pas si lui aura pas peur de mon fauteuil roulant, lui. Je pense pas, parce qu'il a pas peur d'une arme à feu. Ah, d'accord. Si vous lui tirez dessus, il faut le toucher. Parce que si vous le touchez pas, il est plus rapide que vous. Vous inquiétez pas, j'ai mousquet sur moi. Ah mais non, je peux pas l'utiliser dans le fauteuil, bien sûr. Bah oui. Non, et puis pas, vous avez pas le droit de l'utiliser en dehors des zones de silence, surtout. Oui, bah entre la loi et ma vie, je préfère ma vie. Hein, C'est vrai. Du coup, tant pis. Hein, je préfère me prendre amende plutôt que me prendre coup de griffe qui empirerait en plus les choses vu mon état. N'oubliez pas que dans votre mousquet, il n'y a qu'une balle. Hein. Oui. Mais donc je... si vous tirez sur le puma, touchez-le. Je vraiment. Suis bon tireur, moi, je pense. C'est un gros conseil. J'ai déjà touché lapin et j'ai eu sanglier, je vous rappelle. D'accord. Du coup, ouais, ça va. Je vais aller faire votre commande. Un oui, instant, d'accord, s'il vous plaît. Oui, mais bien sûr. Alors, un conseil, restez dedans, il y a encore un chat dehors. C'est vrai? Ouais. Où ça? Sur la colline, il se balade. Il est passé de là à de là. Ah oui, d'accord. Dommage, j'aurais bien aimé faire petite course avec lui. Ouais, mais en fauteuil roulant, c'est un peu compliqué quand même, non? Oh bah je vais plutôt vite hein, si vous voulez savoir. Regardez. Oh. Ah ouais, moteur électrique dessus, c'est pas possible. Oui, bien sûr, il y a moteur électrique dessus. C'est... Ah oui, c'est pour les personnes qui auraient aussi problème au bras, en plus des jambes, qu'ils mettent ça. Ah ouais, c'est top. Hein. Oui. Bon, c'est déjà la troisième fois que j'ai le fauteuil roulant, donc je commence à connaître. Ah ouais, habitude. Il faut faire attention, hein. Ah bah je fais attention, mais là, j'ai glissé, chef. Ouais, c'est pas une autre fois aussi, vous avez glissé de la montagne. Ah si, bah... Ah ouais, c'est ce que je me disais. Deuxième fois que je glisse de montagne, là. Moi, je dis ça comme ça, après on croit pas, peut-être éviter les montagnes, du coup. Ouais, mais là, j'étais en train de passer licence de chasse, donc j'avais pas le choix. Il y a la zone de chasse, c'était forcément dans montagne, donc ouais, du je coup... Je sais. Et j'ai, du coup, j'ai pas pu réussir ma licence. Il va falloir que je fasse sieste. Elle m'a mis les cheveux en rouge, rouge. T'as mis des extensions aussi. Et du coup, quand tu es arrivé ici, que j'ai vu que c'était vraiment beaucoup trop rouge, je suis retourné la voir. Oui. Je dis, mais c'est n'importe quoi ce que tu m'as fait, la cocotte. Moi, j'avais les cheveux noirs avec des petites mèches rouges. Mais là, on dirait un clown. Il viendra pas. Je crois qu'il pleuvait de... Selon les coupes, les extensions, ouais, c'est... D'accord. Elle pouvait pas refaire une couleur, que ça allait niquer les cheveux, tout ça. Elle m'a dit, mais je peux vous poser des extensions. Comme ça, ça fera moins rouge. Ah oui. Alors du coup, elle a fait ça, mais j'ai dû repayer une deuxième fois. Je sens que je me suis fait enfler sur cette histoire. Un petit peu, oui. Après, ça vous va bien, mais c'est... Elle a fait exprès, je pense, de me faire les cheveux rouges pour que je sois obligé de revenir une deuxième fois, je crois.
C'est mon jaune. Dans le voiture. Alors, votre commando, pardon. Ah, mais ça sert à rien, on peut pas. Trop d'énergie. Pendant, pendant qu'il est en fauteuil, on peut rien lui donner pendant qu'il est en fauteuil. Ah oui, ouais, ah oui, c'est vrai. Ou alors je vous pose le, un petit sac par terre. Ah oui, oui, ça y est, peut-être que ça, ça peut marcher. Attention, on peut sortir, mais nous, toujours là. Là. Encore. Et puis 5, bah faites un message au BDS, ils adorent venir. Non, oh, ça ne marche pas, je vois pas les options. Ce que vous avez posé par terre, non, je peux pas voir. Vous le voyez pas? Non. Vous voulez que je vous aide pour vous lever? Non, 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 ça ira. J'ai de quoi manger pour la prochaine demi-heure, donc vous inquiétez pas. Là, de toute façon, il reste déjà plus que 20 minutes de fauteuil roulant. D'accord. Bah, moi, ce que, si jamais je vous aide à vous lever, hein. Non, non, de toute façon. Mais aïe! Mais non, oh là là, vous êtes handicapé ici, hein, c'est pas possible! Je suis de monter sur un charpente! Tu peux pas! Bah non, tu peux pas! Et puis là, il est où? Il est reparti! Non, non, il est juste là. Non, non, il est devant, là! Sur la tenace, là! Ah ouais, mais il me regarde! Il est où? Je vais le faire partir, moi! Je vais lui faire peur avec mon fauteuil. Allez, file! File d'ici! File d'ici, sale bête! Il a pas peur de moi. Bon, bah du coup, je rentre. Il a pas peur de fauteuil roulant, en tout cas. Non. Il vous a complètement ignoré. Hein. Ah oui. Tous se mettre en fauteuil roulant. Parce qu'il passe à truffe pas ici là, c'est... Faut juste éviter de vous mettre vers les pourquoi portes parce qu'il rentre sinon. Je pense que lui bien vous aimer. On n'a pas le temps de vous avez l'air appétissant pour lui. Ouais c'est ça. Bah il a compris où était la meilleure nourriture. Hein. Il a compris où était la bonne bouffe. Vas-y, ambiance-toi. Ambiance-toi, Minou. Ouais. On dirait qu'il danse, ouais. Vas-y, ouais. Fais-nous un petit pas. Voilà, nickel. Non, 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 non. Partez. Il y a un gros chat. Attendez, je vais les sauver. Chat, sortez pas, il y a le gros chat. Faites attention. Alors, monsieur Corvalenco, vous êtes en fauteuil, veuillez circuler. Je vais l'écraser avec mon fauteuil. Non, non. Concentrez sur moi, Milou. Reste concentré sur moi. Non, Milou, Milou. Ici, Milou, ici, voilà. Ah, merci, moi aussi. Faut obligé de crier parce que sinon, hein, c'est. Voilà, ambiance-toi, Minou, ambiance-toi, vas-y. Voilà. Fais le beau, Minou, fais le beau. Courez. Courez, il y a le petit chat, courez. Allez, Minou, ambiance-toi, Minou, allez, vas-y. Allez, reste concentré, Minou, reste concentré. Reste concentré sur moi, voilà.
Merde, Yara Medina, bonjour, excusez-moi sur la déposition. Pour me rendre jusqu'au BDS, s'il vous plaît, je suis... voilà, t'es tout beau, Je suis actuellement au petit motel, je sais que... Meno ici. Meno, voilà, reste concentré sur moi. Oui, t'es tout beau, Disons que je ne peux pas. Meno. Ici, Meno, GD. Reste là. Oui, t'es tout beau, oui. Reste là. Ça fait beaucoup. Reste là, Minou. Oui, t'es tout beau, oui. Du coup, vous avez engagé un divertisseur de chat? Ouais, c'est ça. Un divertisseur de chat, mais... Ouais, j'ai l'impression, oui. Oui, t'es tout beau, oui, Minou. Oui. Regardez, on dirait qu'il danse avec lui. Et on fait ce qu'on peut, hein. Oui, s'il vous plaît, oui. Alors, dites-moi. Oui, j'ai l'air appétissant, t'as envie de croquer. Mais reste ici tranquillement. Je vais vous prendre 10 wok aux crevettes. Oui. 5 jus de goyave. T'inquiète pas, c'est bientôt fini, t'inquiète pas. 5 jus de grenade. D'accord. Et 5... Mais reste concentré ici parce qu'il y a des putains de connards qui sortent. D'accord, allez. Je vous prépare ça. Merci beaucoup. Reste concentré, Milou. Reste concentré. Oui, reste concentré, reste là. Vous comptez rester ici combien de temps? Bah jusqu'à ce que chez les fils arrivent et qu'il y en ait qui arrêtent de sortir. Bon, ils ont dit qu'ils allaient pas tarder à arriver, du coup, hein, c'est... Ah bah, bon courage à vous, hein. Oui, t'es tout beau, oui. Le château qui vous a fait ça? Ah non, non, c'est pas lui. C'est chute dans montagne. C'est tout beau. Ah oui. Oui, j'étais en train de passer permis licence de chasse. Du coup. Tu fais le bord? Et j'ai. J'ai voulu aller ramasser les carcasses de sangliers que j'ai abattus. Et en fait, elle glissait sur. Bord très escarpé de montagne. Et j'ai essayé d'aller la chercher, mais j'ai pas réussi. J'ai glissé et j'ai fait grosse chute. D'accord. Minou, voilà, Minou, dans ta gueule! Voilà. Oula. D'accord. Pouvez-vous calmer, s'il vous plaît? Parce qu'il en avait marre de danser. C'est bon, il y a la barbac. Merci. Pour une fois qu'ils servent à quelque chose. Pardon, monsieur Kovalenko ? Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Gentil, hein ? Je me dédouane de ce qu'il dit, moi je vais chercher de la viande. Ouais, ça va. Il y en a un autre, non ? Ah, il y en a 15, ouais. Du coup, vous aviez dit quoi, monsieur Kovalenko ? En parlant un peu fort ? Oh, j'ai rien dit, moi. On préfère. Ouais. Et je parlais pas de vous. Eh, hey, bonne journée. Je crois que je vais rester en poste ici toute la journée, moi. Ah ouais, hein. Hey, ils ont l'air très énervés aujourd'hui. Et moi j'ai une revanche à prendre en plus, donc hein. Allez, plus que 10 minutes même pas. Non, parce que la dernière fois devant là, c'est moi qui ai fait goûter, enfin qui ai fait servir de manger au puma. Voilà, c'est moi qui servais d'appât.
Et du coup, non, j'ai une revanche à prendre. Oui. Quand je bois, j'ai... j'ai mon perso qui... On dirait qu'il est en train de jouir, d'avoir un orgasme, le con. Ouais, bah oui. D'ailleurs, c'est qui que j'ai appelé, du coup, là? Ah ouais, ok. Faudrait que... C'est vous que j'ai eu au téléphone, là, pour le Puma, du coup? Ok, je vais vous enregistrer, si ça vous dérange pas. Comme ça... Oh non, on a qu'un peu le que professionnel. Ouais, tac, c'est bon. Tac là. Allez, je vous mets tous dans un petit sac. Allez-y, excusez-moi, je finis mon message. Non, allez-y, y'a pas de soucis. Ah, votre collègue, je crois qu'il en a eu marre de danser et chanter. Non, c'est bon, il est mort. Et qui est votre collègue? Bah, il est mort. Ah, d'accord. Et bien, il danse et chante pour le Puma. Ah, mais bah, je pensais que c'était un nouvel employé que vous aviez employé, je pense. Aussi, je me suis fait attaquer l'autre jour. Ah, non, j'ai quitté vraiment. Il y avait vraiment un Puma derrière la porte. Oui, bah oui, je l'ai vu, mais je pensais que c'était littéralement un job que vous aviez créé pour le resto. Vous devriez avoir fait comme ça. Ah, bah, vous avez sorti la bonne arme. J'ai sorti de chat. Vous avez la patronne, mais c'est pas une mauvaise idée. Mais du coup. Vu le nombre de chats qu'il y a aujourd'hui. Bah oui. Jamais bien loin, hein, c'est le problème aussi d'être. Alors. Non, mais il est nulle part. À ceux qui habitent à côté, ils doivent être contents, ils doivent se sentir en sécurité avec tous les chats. 2, 4, 5. Ah oui, il y a des gens qui ont chambre dans motel. Et vous alors? Bah, ça va. J'ai cru que vous aviez pris une promotion et que votre nouveau poste était amuseur de chats officiel. J'ai l'impression aussi, ouais. J'ai pas le salaire qui va avec, j'ai pas la prime de risque. Ah bah vous devriez, parce que là c'est littéralement un poste à mon avis à temps plein qu'il va falloir. Alors oui mais non. Bah, vous aimez pas danser? Ah ça si, mais à faire à temps plein de danser juste pour des minous, non. ça peut être un autre emploi, mais ça c'est autre chose. Ouais, celui-là me dérangerait moins, mais pour ces minous-là un peu plus. Ah ouais, d'accord. Bah t'as qu'à choisir tes minous aussi, hein. T'inquiète pas que j'en ai sous le bras des minous. On choisit pas ses minous. Voilà, donc vous choisissez bien. Moi je les ai choisis les minous, c'est de ce côté-là, ça va. Ah oui, parce que généralement c'est on prend ce qui vient, hein. Oh non, ça va, ce qui vient c'est le bon minou, donc ça va. D'accord. Hop là. Je ramasse tout, hein. Ouais, allez-y. Curieuse d'attendre et de voir le prochain minou vous revoir en tant qu'amuseur de minou. Ouais, hein, je compte pas me passer mon temps ici. Et je trouve que l'appellation du job est intéressante, hein, donc. Ouais, gardez-le en tête, hein. Attrapeur de minou. Ah non, amuseur de minou, n'attrapez pas. Ça dépend le point de vue, hein. Je suis bien aller chercher dans la viande dessus. C'est encore pire parce que vous amusez les minous en attendant que d'autres. Ah oui. Oh, bah là, c'était trois hommes. En attendant que des hommes arrivent pour s'en occuper. Il y a une appellation à faire, moi je vous le dis. Ouais, je verrai l'entreprise, comme par hasard, qui sera dans un club de striptease. Je sais pas pourquoi, je vais appeler l'amuse minou. Ah oui, bah oui. Je pense qu'il y a surtout le restant, hein, qui va faire appel à vous. Quoique, j'ai vu au niveau des chasseurs, il y en a pas mal qui aimeraient bien avoir des petites personnes qui courent et qui attirent les petits chats. Oui, mais non. Ah, vous le faites, mais sans le risque. Ah, déjà, il y avait le minou ici, c'est déjà bien. Ah. On réfléchit, j'ai mal au crâne. Hop là. Après, s'il y a des primes de risque, tout peut s'arranger. Je pense que je vais m'arrêter là après. Une fois que j'aurai fini, je serai retourné. Et leur dire voilà, je vous offre ma protection pendant votre partie de chasse. Au parking, je rentre au quartier. Je fais une petite pause.
Il est déjà 18h. Ouais, c'est pas pour les protéger, là, c'est pour jouer le gibier. Hein, bah, comme ça, je pourrais faire mes trucs de criminel, peut-être plantation, un truc comme ça, tranquille après. Mais je vais faire une pause. Ah, mais un tenue de mariage, limite, il va mettre ça. Pas cru que ça soit une menu. J'ai une question. Est-ce que d'ouvrir un club de strip et d'appeler la muse Minou, ça passe? C'est pas mal. C'est pas mal. Ah non, non, c'est... Non. Non, non. Bon, en tout cas, c'est bon, ça passe. Mais vous êtes pas censé être là pour nous protéger, vous? C'est bon, j'ai l'autorisation d'ouvrir le muse-minou. D'accord, du coup vous allez ouvrir où, dans la petite cabanon derrière Ah non, non, le club de strip directement. Oh, il y en a un. Je ne suis pas familière avec ce genre de club. Ah non, c'est juste que j'ai trouvé dans la ville et du coup j'ai vu qu'il y en avait un. En fait, un petit peu à l'abandon. Quand elle est devenue patronne, c'était de virer les gens. T'as fait votre nouveau truc. Par contre, c'est un petit peu loin du resto et du nord, du coup, il va falloir venir si c'est en ville. Moi c'est un club de strip, hein. Je vois pas pourquoi le resto il irait voir là-dedans. Et je vais vous chercher un minou pour pouvoir l'amuser. Hein. Je crois qu'il y en a juste à côté. Non, j'en connais des minous. Aïe. Ils sont très sauvages, oui. Ah oui, d'accord. Et oui, oui, oui. Écoutez, messieurs, sur ce, je vais vous laisser. Bah, y a pas de souci. Bonne journée à vous. Et puis, bah, bon courage et bonne danse, hein, et au plaisir de revoir la muse Minou danser. Y'a pas de souci. Bon, encore deux petites minutes, même pas, je pense. Deux petites minutes pour... Et puis j'ai la secondaire qui va venir récupérer mon fauteuil roulant. Si on a trop d'employés, je peux partir, hein, si y a trop d'employés. Bonne journée. Ouais. Dans une minute, parce que je suis encore en fauteuil que je pourrais pas monter de toute façon. Mais tu comprends seulement ce que tu veux. Bon, ça s'appelle l'amuse minou, donc c'est des hommes qui amusent les minous. Toi, toujours pas. Ah non, trois fois j'explique amuse minou. Et eh ben voilà, j'attendais juste que la secondaire passe pour me retirer le fauteuil roulant. Ouais, pas de soucis. Hop là. Mais qui a pris ce qui était par terre là? C'était pour moi. Ah, c'est pas moi en tout cas. Ah, c'est pas moi non plus. Bah. Il y avait quelque chose par terre là à l'instant. Ouais, il y avait un sac. Il y avait ma commande, c'était ma petite commande. Il y avait deux rogailles et 5 Pepsi, ouais. Je crois, normalement. Patronne, petite question. Oui. Tu laisses trop les sacs par terre, ils disparaissent? Ou j'en sais rien du tout, alors. Parce que le petit sac, il a disparu, il a pas pris sa commande. J'ai pas pu prendre. Votre commande? Bah, j'ai pas eu le temps. Je vais vous la refaire.
S'il vous plaît. Je trouve maquette alors, par contre. Vous avez besoin de quoi, monsieur? Oh, rien, rien, je viens chercher mon employé. Ah, d'accord, ok. C'est moi l'employé. C'est moi l'employé. Y'a pas de soucis. Dernière. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah! J'ai cru qu'il y avait pas de caisse qui avait été enregistrée depuis 11h ce matin. Ouais. J'ai un petit moment de peur. T'as encore 20 minutes? Alors, non, qu'est-ce qu'on avait? Tac, tac, tac. 2 rougailles et 5 papsy. Je vais vous faire ça. Non, mais c'est vrai, je te vois danser mes dents, je pense qu'il y a Minou à côté. Oui, bonjour. Il y a quelques-uns, tu en avais un, oui. En quelques-uns, tu avais un Minou, oui. Ouais. Ouais. C'est gentil, les Minou, faut leur donner du whisky. Ouais, ouais. Whisky, ouais. Ouais, ouais. Sauf ouais, que ça peut marcher aussi. Les derniers Minou qu'il y avait là, ils avaient un peu les crocs quand même. Il y a pas de, whisky ici sur île. Ouais, donc bah, du faut bien qu'il nourrisse, hein. S'il aime bien les kebabs, c'est... Pourquoi les kebabs? Bah, je sais pas, quand... S'il mange les gens, c'est qu'il y a une raison. On est peut-être meilleur que des lapins, ou... Bah, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de lapins plus près que nous. Je sais pas, moi j'ai une expression, elle dit « mon cul, c'est du poulet », bah, peut-être, hein. Ah, ouais, c'est ça. Bah, trouver un kebab au poulet et ensuite on pourra en parler du coup. Au final, le kebab il sera en perte, hein, parce que bon, c'est parce qu'il y a avec ce qu'il y a en vente, c'est parce qu'il y a comme viande sur un poulet que tu refais des gros kebabs. Ouais, non, mais je sais pas moi, vers mon dépôt il y a des vaches, il y a tout qui traîne. Bah, ça au pire, ouais, mais avec du poulet. Il y a de quoi manger, quoi, parce que bon, sur un être humain, on a quoi, à part la poule. Moi, je vais faire du coup, je vais faire deux entreprises. Oh bah certains ont entretenir tout un hiver, hein. Et le kebab 100% pur porc. Je suis sûr que ça va marcher. Ah non, mais là si c'est couvert de la viande, c'est même halal, hein. Non, si je suis un kebab, c'est 100% pur porc. Ah ouais, donc faut prendre des cochons dans ce cas. Ouais. Ouais, j'ai un enclos avec des cochons si vous voulez à côté. J'avais pas payé facture tout à l'heure, je viens de la payer. Pas de soucis. Ah, non, ça c'était moi. C'était pas la bonne personne. Yep. Il y a eu un déplacement stratégique qui a été fait. Colis stratégique, pape dans la poche. Tac, et encore un, je crois. Hein. Vous la redonnez du coup ou pas? Ouais, je vais lui redonner. Nickel alors. Et voici, messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh ben, bonne journée, bon courage avec Puma. Et pareillement. Merci. Ouais. Bonne soirée à vous, à bientôt. Bonne soirée. Et bonne soirée, ma petite dame. Et puis ma proposition. Qu'est-ce qu'il a fait comme proposition, quoi? J'essaye de me faire la femme à l'entrée là, mais... Ah, Michel. Ouais, veut pas me filer son numéro, je l'ai invité à le dîner, quoi. Ah, pas très causante, hein. Ouais, connasse encore. La prochaine fois qu'elle me fait un sourire, je dis vas-y, va sourire au voisin. Ouais, je t'emmène où alors? Bah, comme je t'ai écrit, près de... Il y a un parking près de garde de chasse, à Grapsid. Ah, au machin de chasse là-bas là? Ouais, c'est ça. J'étais en train de passer licence, justement. C'est là que j'ai eu un petit accident. J'avais réussi à tirer sur cible qui me demandait de tirer. Et en fait, elle était juste à côté de précipice. J'ai voulu voir si je pouvais ramener carcasse et en fait, j'ai glissé au même endroit que carcasse et même plus bas. Ah
Oui. La prochaine fois, avant d'aller au bord du précipice, tu bois une Red Bull, au moins t'auras des ailes. Il n'y a pas de Red Bull ici, c'est juste Pepsi. Bah si, tu prends un Pepsi, c'est bon, c'est pareil. Garot aura des ailes après. Ouais, non, je pense pas que ça marche comme ça. Ah, je sais pas, moi, on dit toujours Red Bull comme des ailes. Ouais, non, mais si t'écoutes tout ce que dit la publicité à la télévision, on est des super-héros. Ah ouais, bah ouais, puis on serait tous riches. Ouais, aussi. Ah, il y aurait pas de problème d'argent. Hein. Ah ouais. Et là, je vais rouler doucement là sur des lignes droites comme ça. On peut rouler à 130 ici. Ah non, non, là maintenant on peut rouler à 130. Avant la double voie c'est 90. Ah bah non. Ah si, si, si. Oh bah. Si, 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 j'ai encore le shérif qui m'a demandé de vous faire un rappel à tous les employés parce que il envoie passer devant le bureau des shérifs à 140 alors que c'est 90. Oh bah je. Je suis désolé, mais j'ai clients pressés souvent, hein, donc bon. Hein. Et puis, plus je vais vite pour faire course, plus j'enchaîne sur autre course. Comme ça, on gagne plus d'argent. Ah, mais bon, faut pas se mettre en danger. Bon, je mets pas en danger, je roule juste 130 sur freeway, quoi, c'est normal. Hein. Alors que non. Attention, en ce moment, il y a un 4x4 tour banalisé là avec les vitres teintées qui prend au radar. Ah bon? Où ça? Je me suis fait arrêter hier sur Sandy Shore. D'accord. Il m'a pris à 133 km/h au lieu de 90. Mais ça va, il a été gentil, il m'a rien dit. Merde, c'était pas là, il fallait que je sois dans le chemin de terre. Ouais, non, c'est pas grave. Ouais, on va parler 5 minutes, mais qu'est-ce qu'on fait, je dis pas, faites ce que vous voulez, hein, c'est votre job, hein. On va pas la jouer comme ça. Si ça passe pour cette fois, je note votre nom, et par contre, la prochaine fois que je vous contrôle en excès de vitesse, il y aura une amende. Ouais, bah moi, de toute façon, je pense que shérif, ils ont ordre de me mettre amende à chaque fois. Ah bah le shérif, il m'a dit, t'es pas très très clean. Comment ça? Oh bah il m'a rien dit de plus après hein. Ça veut rien dire ça. T'es pas un ange de cœur. Ah bah pourtant faudra lui dire hein, que c'est moi qui ai mis en place idée, enfin qui ai donné idée à un restaurant pour les menus suspendus donc bon. Ah ouais mais bon après je sais pas moi après peut-être que tu fais des bêtises à côté ou je sais pas tu vois. Bah non je fais pas de bêtises à côté après, bien si sûr. Si le shérif il me dit faites attention à tel ou un tel c'est que il y a des raisons. J'ai passé l'âge de faire les bêtises moi j'ai 40 ans c'est bon. Ah ouais on a le même âge quasiment. Ouais, donc tu vois, tu comprends, je vais pas m'amuser à faire des choses. C'est juste que dans les premiers jours où je suis arrivé sur île, j'ai commencé à me plaindre auprès du bureau shérif des problèmes de lire essence. Et du coup, station vide, prix du carburant, tout ça. Parce qu'il y avait encore pas de raffinerie. En place. Ils m'ont pris en grippe, je dirais. Après, c'est possible. Hein. Tout le monde n'est pas 100% correct de partout, hein. Même dans la police. Enfin, surtout chez eux, je pense. Hein. Dans le shérif doit bien y avoir quelques-uns qui. Ils m'ont déjà mis en cellule parce que j'ai agressé à Jean parce que lui me harcelait. Mais lui, pas prendre d'amende pour harcèlement, et après, dans cellule, ils m'ont tonfoté la gueule. Ah, oh, c'est pas cool. Non, les shérifs...
Bah, bah oui, mais je vais pas me plaindre au shérif que c'est eux qui m'ont enfanté la gueule parce qu'ils vont mourir au nez. J'ai déjà essayé de faire de porter plainte contre un shérif. C'était ça me la plainte n'a même pas été enregistrée. J'ai eu confirmation de personne du DOJ. Oui, bah justement, pour l'instant, la personne du DOG est pas très très présente, je crois. Elle m'avait dit. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Elle un peut peu pas dans... trop venir sur sur île pour le moment. J'ai lu ça un peu quelque part. Là. Je sais plus où c'est que j'avais vu un peu que ouais. Sur si Weasel News. Dans l'attente d'une nouvelle personne. Oui, c'est article Weasel News, je crois. J'ai vu ça. Là. Ouais, je crois que c'est ça. C'est dans Weasel News. Je sais plus exactement, mais ouais, c'était par là quoi. Oui. Mais ouais, je te dis, alors, il y a peut-être des shérifs qui sont sympas, mais la plupart, je dirais, surtout capitaine, là, et c'est des enfoirés. Moi, je suis... Bah, après, je connais pas leur nom, mais il y en a deux qui... Ils ont voulu essayer de me faire chier. Je les ai rembarrés en deux secondes, parce qu'ils avaient aucune preuve de quoi que ce soit de ce qu'ils voulaient m'accuser, et... Il s'en est resté là quoi. Après moi je parle beaucoup avec le shérif. Ça m'arrive souvent de l'avoir Quel shérif? The shérif, le. Ah le, the shérif, d'accord. Oui. Je l'ai eu 3-4 fois déjà en tant que client. Après voilà, hein, j'ai encore eu une. Le client que j'ai pris juste avant de venir te chercher, c'était une dame qui travaille au BDS aussi. Ah d'accord. Donc ouais, non, j'en ai quelques-uns des fois de temps en temps, mais bon, en général, c'est toujours bien passé, quoi. Même okay. Hier, quand je te dis, hier, le gars en 4x4 banalisé, là, et il m'a chopé à 133 km/h, il aurait pu m'aligner. Ouais. Il m'a fait une fleur, quoi. Ouais, ouais, t'as de la chance. Moi, il m'aurait pas fait fleur. Dès qu'il aurait su qui j'étais, ouais, non, toi, il m'aurait mis... Faté, ouais, alors, peut-être pas ton faté, mais il m'aurait mis amende maximale, c'est sûr. Ah ouais, c'est possible, ouais. Mais le shérif, il m'a dit, hein, il m'a dit, de toute façon, avec les taxis, on rigole plus, on aligne pour le moindre petit truc. Ouais, ouais, d'accord. Écoutez, après, vous avez raison, c'est... Moi, les employés, je les préviens, après, s'ils respectent pas les codes de la route et autres, bah malheureusement, s'ils viennent à perdre leur permis... Faudrait qu'il m'en représente un de valide en 48 heures. Ouais, ouais. Bon, pour l'instant, j'ai pas perdu de points, hein. Ça c'est sûr. Oh bah, après, de toute façon, comme j'ai dit, à n'importe quel moment, je peux demander à faire un contrôle de tous les permis de tous les employés. Ouais, ouais, ok. Comme là, voilà, j'ai demandé à faire une réunion, y a personne qui est dispo. T'as demandé à faire une réunion? Oui, 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 j'ai mis un message sur l'intranet, dans nos discussions internes. Ah, bon, d'accord. Après, j'ai pas. Tu serais là, de toute façon. Ah, oui, c'est vrai, oui, d'accord. Mais regarde, voilà. Je vais faire une réunion pour expliquer tout ce qu'il va y avoir comme changement à partir de lundi. Personne de dispo ou les gens ne répondent pas, tout simplement. Ouais, ouais, ok. Après, peut-être 20h, c'est peut-être trop tôt pour... peut-être 21h. Essaye de proposer... Proposer. Oui, bah après... Moi, je propose deux horaires, mais... Indique-le, peut-être. Ça veut pas dire que je peux faire autre. Il y a qu'à juste proposer, hein. Oui, oui, mais indique-le, peut-être, que si les horaires... besoin de savoir vos disponibilités. Donc moi je propose dimanche lundi 20h parce que ouais, moi ça me pas trop tard non plus pour moi tu dis besoin de savoir et puis tu proposes des trucs pour moi ça veut dire voilà. Est-ce que vous êtes disponible? C'est de moi perso voilà, je suis dispo tout le temps, je suis tout le temps là. Les gens qui viennent et qui travaillent, ils savent bien que à un moment donné je suis présent quoi. Ouais ouais. Mais il y en a, ils répondent pas, voilà. Il faut que je stipule que c'est à eux que je parle pour avoir une réponse, et encore. J'ai l'impression des fois ça les fait chier de me répondre. Bah je sais pas. Tout à l'heure déjà, j'avais croisé Howard en taxi. Et quand il y a eu une course là...
Bah j'ai indiqué du coup dans message de groupe là que je prenais mais j'ai pas enfin à aucun moment je vois Howard écrire des messages là, sur sur messagerie groupe. Après il a quand même un certain âge donc la technologie c'est pas forcément son petit fort on va dire. Ouais. Malheureusement. Donc à la rigueur je peux comprendre mais bon il a un de ses fils qui est là et l'autre et il y en a aucun qui fait de course client. Moi quand je prends notre feuille client. Ah mais il est peut-être pas dedans en fait. Ah si si il est dedans Howard. Ah non. Dans la feuille client ah si si tout à la fin. De quoi? Sur la feuille client. Non non je parle pas de feuille client là je parle de groupe messagerie taxi. Ah, message... si, si, yeah. Non. Si si. Ou alors j'ai pas enregistré. Howard Maurice Dallas. Il est dans la catégorie hors ligne là. Non, je parle de. Je parle pas d'intranet, je te parle taxi sur téléphone. Ah si si dans... moi je les ai tous invités, j'ai invité tout le monde, j'ai mis tout le monde dedans, tout ce qu'il y a en. Bah je le vois pas moi dans liste. Je vois Hazel, je vois Junior, je vois Owen Carter, je vois le Joe, je vois Sean, je vois Zane, je vois Christopher Cruz et... c'est lui qui l'a quitté parce que moi je l'avais mis. Il est où Howard? Ça c'est Christopher, Junior... Bah... Ah bah non, bah j'ai pas dû le mettre parce que j'ai même plus son numéro, je crois, dans mon répertoire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il me semblait bien que je l'avais au Ward pourtant. Peut-être pour ça qu'il a jamais été dedans. Hein. Ouais, bah ouais, bah c'est peut-être. Ouais. Bon, après, il a des. Je le rajoute, je le rajoute. Il aurait pu leur demander quoi. 33-26. Je l'ai rajouté au groupe du coup. Voilà. Voilà, je l'ai maintenant. Ouais, je sais pas, j'avais dû passer à côté de son numéro, je sais pas. Ça me paraît un peu bizarre, ouais. Ouais, ouais. Bon. Bah écoute, je vais pas tarder. Moi, de toute façon, je vais prendre une petite pause. Je vais me reposer là tranquillement suite à ma petite aventure là. T'as bien raison, faut se reposer et que tu sois en forme. J'ai pas envie que tu travailles, c'est pour que ta santé empire. Ouais. La santé avant tout, comme on dit. Heureusement j'ai pas ITT, j'ai pas vu que j'avais rien de cassé, fort heureusement du coup j'ai pas eu d'ITT. Ouais, t'as, ouais. T'as de la chance. D'ailleurs même ça là, je pense que va y avoir des sanctions demain. Par rapport à... Ah bah y en a qui vont être mis à pied, ils toucheront pas de salaire. D'accord. C'est simple, le salaire des demi-heures, ils l'auront pas. Tu viens pas travailler, pourquoi je te payerai? Et s'il est pas content, je le vire. Voilà. Est-ce que... Discuter un peu avec les marshals, c'est comme ça que ça va se passer, je pense. Ouais, 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 bien sûr. Tu parles de qui? De Hazel ou de Zane, du coup Hazel. Je suis désolé, il est revenu depuis mercredi. Il a fait quoi? Rien. Déjà, faudra qu'il m'explique comment qu'il a fait pour travailler jeudi alors que ça fait une semaine qu'il a pas son taxi. Donc comment il a pu faire, il a pu travailler s'il a pas de taxi? Il a pris le taxi de quelqu'un, forcément. Ouais, c'est possible. Il y a que ça comme solution. Sinon, il peut pas travailler. Mm. Donc voilà. Qu'il y a encore que je vois que. Bon, Sean, Shokwan et Zay, j'étais prévenu que c'était compliqué pour eux cette semaine.
au niveau des horaires. Ok. Après, normalement, Chokwan, il m'avait dit qu'il essaierait de faire un effort dans le week-end pour essayer de faire au moins ses 50 tickets. Ok. Mais bon, on va dire cette semaine, c'est une semaine un peu spéciale. Oui, oui, voilà. On verra à partir vraiment de la semaine prochaine sur une semaine complète. Oui, oui, tout à fait. Je les ai embauchés, je sais plus, je crois que c'était mercredi. Oui, c'était quelque chose comme ça. Une semaine limite, donc oui. Voilà, on va dire ils sont excusés pour cette semaine, il n'y a pas de problème. Mais quand je vois des Carter Owen, il est là depuis plus d'une semaine celui-là. Non, je crois qu'il a été recruté le même jour. C'est moi qui l'ai recruté. Je l'ai recruté, je crois, mardi. Bah, Je crois que tu l'as recruté soit oui mardi ou mercredi. Parce qu'il a travaillé que mercredi. Ouais, mais il a déjà fait 20 courses. Bah, c'est pas mal. Après, laisse-lui. Il est pas aux 50, demandé. Oui, mais la fin de semaine est pas terminée, et puis voilà, il peut donc peut-être encore en faire. Par contre, s'il a pris des salaires depuis mercredi, parce que ça, je peux savoir qui touche ses salaires ou pas à la demi-heure. Hein. Ah, ça y est, tu peux savoir maintenant. Oh, bah, je vais sur le compte bancaire, en fait, c'est tout simple, c'est juste que. Je n'avais pas forcément bien regardé et cherché, on va dire. D'accord. Ouais, j'ai eu des explications et je peux savoir en fait, que les virements sont automatiques. Via le virement, je peux savoir qui me pompe du fric, quoi. D'accord, d'accord. Et après, bah non, Junior et Howard, eux, j'ai pas de soucis, ils font tout le temps leur quota, quoi qu'il arrive. Même si ils sont pas là tous les jours, forcément, ils ont leur quota, donc je peux rien leur dire. Toi, c'est pareil, j'ai rien à te dire, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois. J'espère juste que ouais bah il y a des gens qui vont postuler assez rapidement pour que ça nous aide aussi hein. Oui. Parce que si on continue comme ça, ouais bah c'est sûr que avec les nouveaux trucs qui vont arriver la semaine prochaine, ça devrait être mieux. Mais si on est moins, ouais, ça risque de poser des petits soucis économiquement quoi. Oui. Donc c'est pour ça que là, bah, pareil, je commence à partir de demain on va dire, un contrat entre guillemets avec le BTS pour les emmener sur les team building. Donc ce sera du 2500 $ de prestation. Ok. Puisque en fait, moi, ils vont me bloquer. À 15h30, je vais les chercher, je les emmène à la base militaire et une heure ou deux après, il faut que j'aille les rechercher. D'accord, d'accord. Donc entre les deux, ça va être un peu compliqué de retourner au dépôt, rechanger de véhicule, faire des courses, revenir rechercher le bus, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, je vois, je vois. Donc du coup, je pense que peut-être pas forcément rester sur place non plus, mais... Je sais pas trop comment ça va se passer, mais ouais, en gros, ça risque de me bloquer 2 heures. Ouais. Et encore, ça, c'est s'il y a qu'un bus. Parce que s'il y en a deux, c'est 5000 $. Ah bah oui, oui, bien sûr. C'est 2500 par bus, voilà quoi. Et ça, c'est le prix pour les services publics. Pour les particuliers ou entreprises, on peut faire un petit peu moins cher quand même. Bon, oui. Service public, vu l'argent qu'ils gagnent, on peut les facturer. Je pense, oui. Le marshal avec qui j'en ai discuté, il m'a dit « T'hésites pas, c'est le service public, on s'en fout. » Ok. Donc j'ai dit « Bon, bah ok, parce que ouais, je lui ai dit « Ouais, par contre, je sais pas trop, moi j'ai pas d'expérience en tant que patron, bah, comment facturer ça, quoi ?» Donc il m'a dit, je sais pas, quand tu factures à l'événement, on va dire, vu que là c'est un peu comme un event. Il a dit, voilà, tu mets 1000 $, 1000 ou 1500 $ pour la location du bus. Il y a le chauffeur derrière, ça fait 2 heures, donc environ 1000 balles de salaire. Voilà, 2000, 2005, allez, tu mets 2005 et c'est bon. Ok, ok. Mais ouais, je pense que ouais, si après moi je vois que tu t'investis quand même, si ça t'intéresse, je pense que
pense que tu peux avoir une promotion d'ici lundi. Si ça t'intéresse. Oh ouais, ouais, ça m'intéresse. Moi, je veux juste pas être patron, c'est tout. Non, tu seras pas patron. T'auras pas accès au compte bancaire. Mais par contre, je vais voir si je te laisse la possibilité de recruter ou pas. Parce que je peux pas être patron. Parce que le but, en fait, c'est que, entre guillemets, tu me remplaces pendant que je suis pas là. Oui, oui, bien sûr. Après, tout ce qui est facture, tout ça, c'est moi qui réglera quoi qu'il arrive. Et puis après, au moins, voilà, après, tu peux toujours... Oui, faire ce que tu faisais avant de devenir patron, quoi. Voilà, ouais. Enfin, moi, j'avais un peu plus, parce que du coup, j'avais accès quand même au compte bancaire. Il m'avait vraiment filé tous les droits. Ok. Donc, c'est pour ça que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, tu vois. C'est que dès le départ, pareil, tu vois, et... Même que j'avais pas encore le grade de responsable, en fait. Officieusement, je faisais déjà ce travail. Ah oui, d'accord. Donc je gérais avec lui, il me parlait des décisions qu'il avait à prendre, on faisait tout à deux quasi. D'accord, d'accord. Bon allez. Donc, là, ce sera le responsable s'il y a des idées, des machins. Excusez-moi, mais bon, ça fait déjà une demi-heure qu'on discute. Ils sont prises à deux, quoi. Ouais, je comprends. Bon, je vais y aller hein, parce que j'ai vraiment envie de me reposer là. J'ai une grosse fatigue. Repose-toi bien et puis je te dis à plus tard. Prends soin de toi. Ouais, on se voit peut-être ce soir si t'es là. Ouais, je pense que je vais passer et si c'est calme, je pense que je vais peut-être venir essayer de passer ma licence de chasse. Ok. Pour un petit loisir le week-end, ça peut le faire. C'est, ouais. C'est pas facile, hein, je te le dis. Et faut avoir 4 000 $ hein, déjà. 4 000. Combien? Bah 4 000 $ pour acheter mousquet et couteau de chasse. Hein. Bah couteau de chasse, j'en ai déjà. Ouais, bah du coup juste mousquet, 3 000 $ du coup. J'en ai racheté un à Stick. Et faut payer les balles, c'est 5 $ la balle de mousquet. Ouais, bah j'irai tirer de toute façon. Puis après, si je l'ai, la licence, je verrai pour acheter un 4x4 et puis on ira chasser le week-end. Ouais, par contre, si tu passes responsable, la société te payera le permis poids lourd. D'accord. Parce que bah cool. Pour merci. L'instant, il y aura que moi, donc le patron et le responsable. Qui feront les événements pour les transports avec le bus. D'accord. Après, je pense qu'il faudra faire quand même une petite formation aux gens, histoire de leur montrer comment manipuler un peu l'engin. Oui, oui, peut-être plus tard. Si on voit que y a des événements où il y a besoin, il y a besoin de deux bus, mais l'un de nous deux est pas là, faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse les prendre, quoi. Ouais, faudra aussi que j'aille faire des... Ah, pareil, si tu passes responsable, faudra que je te file un double de tous les véhicules. Ok. Donc, pareil, on ira directement acheter un porte-clé, tu les mettras dedans. Ouais, j'ai déjà porte-clé, donc du coup, c'est bon. Ouais, mais c'est un porte-clé pour toi perso. Oui. Moi, j'ai déjà deux porte-clés pleines de clés. Ah ouais. Et j'ai même pas encore les clés des bus dedans. Ah oui, d'accord. Ah bah, il y a 10 véhicules, 2 clés par véhicule à chaque fois. Ça fait 20 clés déjà. Ouais, mais tu peux... une clé, ça prend que... Enfin, même 2 clés pour un même véhicule, c'est... Ça prend autant de place, quoi. Bah 5 véhicules, regarde, il y a 5 Broadway, donc 10 clés, et il y a 5 Dynasty, 10 clés, donc ça fait 20 clés en tout. Ok. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai fait un porte-clés pour les Broadway, un porte-clés pour les Dynasty, comme ça, pareil, c'est pas mélangé, tu vois. Ouais, ok. Après, pareil, quand il y a des gens qui démissionnent ou autre, faudra penser à leur redemander les clés qui les rendent. Mais oui, de toute façon, oui, il y a que 10 emplacements de clés pour en porte-clés, donc... Ok, bon allez, hop, j'y vais, je décolle. Bonne soirée, bonne fin de journée à toi, et puis... Merci à toi aussi. À tout à l'heure. Salut Francky.
Bon, on parle. C'est sympa, mais j'ai vraiment envie de prendre ma petite pause. Donc pour ça, faut que je rentre. Ouais non, c'est bon, j'ai largement assez d'essence. Véhicule qui vient de spawn au-dessus de la barrière, on s'est retourné. Ok, super. Hop là, on prend la freeway là où les shérifs ne sont pas. Donc on va faire la petite pause. Je vais faire une petite pause, donc je coupe le stream et puis je le relancerai pas ce soir. Je vais peut-être faire un enregistrement éventuellement. Et à ce compte là, bah du coup je ferai peut-être un petit montage entre guillemets où je couperai juste les moments que je veux pas que les gens voient. Et je mettrai ça sur ma chaîne YouTube. Ce soir, il n'y a rien de vraiment prévu, donc je pense pas qu'il se passe des grosses dingueries. En plus, avec l'accident de la chute que Victor il a subi, bon bah on va essayer d'éviter autant que possible quand même d'aggraver son cas.
ce soir en tout cas, demain ça ira déjà mieux donc voilà. Hop là. Ça vaut mieux sur le sur l'autre voie. Il y avait moins de voitures jusqu'à maintenant. T'as dû m'arrêter à une station, bon, c'est bon, il y en a une. Ouh, je me suis fait peur là. Je regardais le GPS. On va aller à cette quai. Ah non, là, c'est pas. Là, c'est la station de. Du. La station de service des. De la. De... Fourrière hashtag enfin slash ancien parking des du LSPD de la VR. Hop. Putain, 92 litres. Hop là. Prévenir les boys. Voilà, hop. Et non, je ne rentre pas parce que le chargement à l'intérieur c'est un peu chiant, c'est un peu compliqué, donc je préfère le faire
En dehors. Bon, hop, on va repasser vite fait sur le Just Chatting. Bah, merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. Donc comme je l'ai dit il y a quelques instants, je relance pas le stream juste après. Je ferai peut-être juste un enregistrement suivant ce qui se sera passé. Bah, je ferai soit un mini montage, soit je mettrai l'intégralité, je sais pas encore, hein, tout dépend de ce qui va se passer. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout à l'heure pour ceux que je verrai en RP, et puis sinon, bah, passez une bonne soirée, ciao ciao. Je vais vous envoyer quand même chez quelqu'un, genre, est-ce que Miss VK une... Ouais, elle est toujours là, bah tiens. La raid. Je vous envoie chez Miss Vekane. Miss Vekane.